Le nez dans le ruisseau, la gueule sur le pavé. À moins de pas trop craindre les capotes usées, les vieilles seringues et les rats crevés. L'été sur les plages, c'était le débarquement. J'étais les GIs, t'étais les Allemands. Pistolet à flèche, carabine en bois. Et ma canne à pêche, c'était un bazooka. Dans les vieux blocos, on faisait notre QG. C'était bien craignos, qu'est-ce que ça chlinguait. Les filles venaient jamais parce qu'elles craignaient qu'on veuille les tripoter. Elles avaient raison. Quand tu ramassais un gros coquillage, eh ben t'entendais la mer, le vent du large. Aujourd'hui t'as qu'une symphonie de 4x4 qui vont dans les dunes comme un Warzazat. Le son des tocards échappé hélas du Paris-Dakar, du rallye de l'Atlas. Inscrit pour tout le mois de juillet à des cours de gym et au club Mickey. En ce temps-là, Disney faisait pas les poches ni les porte-monnaies à des millions de mioches. C'était le Figaro qui organisait le concours de château de sable que je gagnais. Aujourd'hui, ce journal est l'ami des enfants au Front National et au Vatican. T'allais le baquet, tu buvais peinard. Une tasse d'eau salée, pas une marée noire. Creusant le sable blond, tu ramenais des coques. Pas des champignons ni des gonocoques. Dans les bouteilles vides, il y avait des messages. Pas les pesticides d'un dernier naufrage. Le jour où je mourirai, puisque c'est écrit qu'après l'enfance, c'est quasiment fini. Devant l'autre Charlot, j'espère arriver. La boule à zéro et la morvonnée. Du mercurochrome sur mes genoux pointus, qui connaissent l'arôme du sirop de la rue. Mais qui a eu tant de mômes qui les a perdus. Renaud avec 8 nouvelles chansons pendant 2 jours, on va bavarder ensemble et puis il chantera demain ce Mistral gagnant que vous attendez. Et puis dans ce programme que nous avons préparé ensemble, il voulait une vraie chanteuse populaire de la rue. Il m'a dit j'aime bien Régine et je serais content qu'elle soit là. Elle m'a dit j'aime bien Renaud, tout va bien dans le meilleur des mondes. Régine qui rechante à Paris dans quelques jours, quel bonheur, là aussi ici pour l'annoncer. Ne fais pas de l'œil, allez-y, Régine. Bien sûr, on le sait qu'elle est là pour ça, pour ce qui fait que toi, tu es là. Mais pourtant, une fois dans l'année, elle a bien le droit de faire la dégoûtée. Ne fais pas de l'œil à Lily, à Lily. Tu vois bien qu'elle a des ennuis. Ne fais pas de l'œil à Lily, à Lily. Elle est toute seule et ça suffit. Bien sûr, on sait que c'est à cause de ça. Pour elle ce soir, le cœur n'y est pas. Car celui qu'elle gardait dans sa vie savait mieux qu'elle jouer la comédie. N'essaie surtout pas de la consoler dans le whisky, laisse-la oublier. Il
fallait bien, ça arrive un jour. Elle a bien le droit de pleurer d'amour. Ne fais pas de l'œil à Lily, laisse-la dormir sur son chagrin. Ne fais pas de l'œil à Lily, et va-t'en sans avoir l'air de rien. Ne fais pas de l'œil à Lily, ça ira sûrement mieux demain soir. Ne fais pas de l'œil à Lily, range ton argent. Ne fais pas de l'œil à Lily, Régine et Renaud pendant deux jours à la chance aux chansons de l'accordéon. Bien sûr, c'est l'âme de Paris aimable, Musette à tout va. Java, on aura une valse tout à l'heure. Aimable avec un bel accordéon tout neuf pour ses 50 ans de musette et de musique. Programme populaire, programme de la rue, du début du siècle à nos jours. La rue chantée avec la poésie de Renaud aujourd'hui. D'abord Muriel sur le Paris trottoir. Savoir rôder dans le quartier des putes, de la porte Saint-Denis jusqu'au nouveau Beaubourg, dire bonjour à Zouzou, à Nini la culbute, qui dans la rue Blondel vous vend un peu d'amour. Il faut savoir trouver les corridors complices qui abritent ces dames à longueur de journée.
et qui à l'arrivée d'un sale quart de police redonne au quartier une virginité. Il faut savoir oublier passé ou la muette. Des quartiers de Rupin, comme disait maman, où le moindre clodo se prend pour un poète et fait rimer chauffeur avec un petit coup blanc. Il faut savoir flâner dans le square Notre-Dame, saluer d'un coup d'œil la galerie des démons et saluer aussi la vieille dame qui donne son pain aux pigeons. Apprendre à retrouver dans la rue poissonnière les ombres d'un passé à jamais révolu, ce parfum de faubourg, cette odeur familière qui vous monte à la tête au hasard d'une rue. Et ne m'en veuillez pas si j'ai fait pour les putes cette chanson qui n'est qu'une chanson d'amour. Ne les condamnez pas, ne jetez pas d'insultes, car vous aurez peut-être besoin d'elle un jour. Venez plutôt faire un tour dans le square Notre-Dame. Allons voir de plus près la galerie des démons et je vous raconterai comment la vieille dame qui donne son pain aux pigeons autrefois draguait sur le macadam. Et qu'elle connaît bien la chanson. Jolie chanson. Muriel, qui allait bien dans ce programme avec nous aujourd'hui. Renaud, maintenant, vous allez découvrir au long de ces deux jours des chansons qui insidieusement vous rentreront dans la tête et dans le cœur. On en bavarde tout de suite après cette seconde chanson avec Renaud. Ça s'appelle Son Bleu. Écoutez bien. Doucement, pour pas réveiller maman, il a acheté l'huma sur le canapé près du chat, s'est assis dans un coin, la tête dans ses mains. 50 balais, c'est pas vieux, qu'est-ce qu'il va faire de son bleu? Sa gamelle, de sa gapette, c'est toute sa vie qui était dans sa musette. Il revoit toutes ses années au chagrin et tout le cambouis sur ses mains. Il repense à son gars qui voulait faire péter tout ça. Sans lui, sans douleur et sans cri. Où c'est que t'as vu un bon Dieu? Qu'est-ce qu'il va faire de son bleu? De ses bras de travailleur, c'est toute sa vie qui était dans sa sueur. Pense aujourd'hui au petit, voilà 10 ans qu'il est parti. Salut pauvre car, tu seras toujours un esclave. Et ben
tu me vois, gamin, aujourd'hui je suis plus rien. Pas fini, se faire des cheveux. Qu'est-ce qu'il va faire de son bleu, son drapeau rouge, de son Lénine? C'est toute sa vie qui était dans sa machine. Peut-être lui dire toujours pas de lettres. Il reviendra, pense à nous, t'en fais pas là-bas, dans la guérilla au Nicaragua. Merde aux hommes et merde à Dieu. Chanson bleue, mon enfant a compris mieux que moi le bonheur de faire péter tout ça. Merci d'être venu. Ce disque sort demain. Je me demande, en l'ayant eu entre les mains il y a quelques jours, si t'es pas un peu retombé en enfance. Un peu, ouais, beaucoup. Peut-être, ouais. Tu l'as jamais beaucoup quitté d'ailleurs. Ben, j'essaye de rester fidèle à ces belles années. Ça, c'est le stand de tir où tu allais tirer la carabine dans le 14e quand il y avait la fête. À la porte d'Orléans, à la fête foraine qui était à l'endroit où maintenant ils nous ont mis les cours de tennis. Ils viennent plus que là. Je fréquente beaucoup moins. Ils viennent plus du côté de la Porte d'Orléans, les... J'en vois plus trop, non. Des forains là-bas, sont plutôt aux Tuileries. Et ces stands de tir, donc, je disais l'enfance en écoutant ce disque, notamment la chanson, là, Son Bleu. Puis la boîte. Oui, la boîte. C'est les boîtes de crayons de couleur. Hein. Et oui. Elle en a encore des comme ça, ta fille, des boîtes de crayons. J'arrive pas à l'ouvrir, d'ailleurs. Ouais. Je te signale que je n'arrive pas à l'ouvrir. Attends, je vais tenir le micro. Fais voir comment on fait. T'es bien. Ah non, tu as réussi, merde. Ouais. ah oui, alors là, on peut montrer... Parce que là, tous les mômes vont faire un carton avec ton disque. C'est le. Alors, on va voir au cours de ces deux jours, parce que tu as eu la gentillesse de venir nous proposer les chansons. Je le trouve très autobiographique, ce disque, un peu plus encore que d'habitude. Ah bon? Bah, oui ou non? Bah, je sais pas, quand on écrit des chansons, on est partagé entre le désir de rester un peu pudique quand même pour pas étaler. Ouais. Ses états d'âme trop, puis en même temps je me nourris de ce que je suis à l'intérieur, quoi. J'essaie de raconter tout en restant quand même pudique les choses de ma vie, les choses qui m'arrivent, quoi. Mes amours, mes tendresses, mes passions, mais il y a moins, je trouve, dans ce disque, il y a un petit peu moins de colère que d'habitude. T'es un peu plus calme. Est-ce que c'est ton grand âge qui maintenant? Bon, il y en a une ou deux, un petit peu saignante, oui. Quand même. Oui, il y en a. Oui. Hein? Oui. Si tu veux, je te chante la médaille. Oui, si tu veux, vas-y. Ah non, la médaille. C'est un peu dur, oui. Si tu veux, le déserteur de Boris Vian à côté de la médaille, oui. C'est pour Dorothée, quoi. Renaud, quand je dis que t'es un peu moins en colère que d'habitude, tu restes quand même, il y a la patte du chansonnier, ouais, du journaliste. Parce que j'ai pris de la bouteille, 42 balais, si tu veux. Mais tu les fais pas du tout. J'en ai marre de crier dans le désert. je disais que ce qu'on retient d'abord le bleu, là, que tu viens de chanter, c'est une chanson magnifiquement poétique. On dirait une chanson qui aurait pu être chantée dans les années 30. Ton prolo, là, il fait très années 30. Ouais, tu veux dire que je suis un vieux ringard, démodé, désuet et tout. Non, mais c'est vrai, mais c'est. On est deux. J'ai un peu été nourri de ces chansons-là. Et puis, c'est une chanson sur le temps qui passe et sur les idéologies qui disparaissent. Le bleu, c'est. Les gens fidèles à certaines idées, quoi. Le costume de ceux qui allaient travailler le matin tôt. Et puis, c'est la classe ouvrière, c'est les prolos, c'est le drapeau rouge, c'est. Toutes ces choses qu'on est en train de jeter le bébé avec l'eau du bain, quoi. C'est-à-dire que, sous prétexte que le mur de Berlin est tombé, bah, on.
on crache sur le syndicalisme, sur la classe ouvrière, sur les militants. Et moi, c'est, je pensais, en écrivant cette chanson, je pensais à mon grand-père qui toute sa vie a été un ouvrier et un syndiqué et un militant syndicaliste, quoi. Et qui, quand j'allais le voir chez lui, au début de sa vie, enfin quand j'étais môme, il habitait à Nation, là, avenue Philippe Auguste. Il nous recevait chez lui, il avait toujours son bleu de travail, et ça me faisait rêver, quoi. Je suis pas fasciné par le travail en soi, mais par les gens qui ont les mains pleines de cambouis pour gagner leur pain. Moi, je tire mon chapeau, quoi. C'est pour ça qu'on t'aime. Merci, Renaud. Cette chanson, on vient d'entendre, on en découvrira beaucoup d'autres. Il y a quelques mois, 2 ans environ, on avait chanté tous les deux Mon Amant de Saint-Jean. Tu aimais beaucoup cette chanson, tu aimes toujours beaucoup cette chanson. C'est toujours pour moi la plus belle du monde. Bon, alors, Mon Amant de Saint-Jean a été créé par Lucienne Delisle. C'est comme ça que tu l'as connue, on l'entendant chanter. Minouche Barelli, sa fille, est venue la chanter pour toi aujourd'hui. Merci. Je ne sais pourquoi j'allais danser à Saint-Jean, aux musettes. Mais il a suffi d'un seul baiser pour que mon cœur soit prisonnier. Comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux. Car on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, mon bel amour, mon amant de Saint-Jean, je restais grisé, sans volonté, sous ses baisers. Sans plus réfléchir, je lui donnais le meilleur de mon être. Au parleur, chaque fois qu'il mentait, je le savais, mais je l'aimais. Comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux. Car on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, mon bel amour, mon amant de Saint-Jean, je restais grisé, sans volonté, sous ses baisers. Mais hélas, à Saint-Jean comme ailleurs, le bonheur n'est qu'un leurre. J'étais folle de croire au bonheur et de toujours garder son cœur. Comment ne pas perdre la tête, serrée par des bras audacieux. Car on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, mon bel amour, mon amant de Saint-Jean, il ne m'aime plus, c'est du passé, n'en parlons plus. Voilà. Minouche Barelli. Classe. Classe, en effet. On est avec ce disque comme un jouet d'enfant au cœur tendre. Alors, tu as amené des copains parce qu'on a fait le programme ensemble. Puis Renaud, il m'a dit, je voudrais t'amener des escrocs. J'ai dit, bon, vu à la télévision française sur France 2, ça fait quand même mauvais genre. Mais enfin, moi, les escrocs, ils sont sur une autre chaîne, c'est ça? En tout cas, ils sont pas sur celle-là. Bon, alors... Remets-toi. Oui, alors parle-nous de tes escrocs qui vont chanter maintenant. Tu prends la responsabilité. Hein. Ah bah, je les connais pas bien, moi j'ai découvert... Bon, non. Ah bah c'est bien, alors tu m'amènes des escrocs, en plus tu les connais pas. Mais c'est pour faire connaissance. Ah d'accord, oui. Non, c'est-à-dire, je connaissais comme beaucoup leur chanson qui passe beaucoup, pas mal en radio en ce moment, ouais. Qui s'appelle Acédic. Oui. Une chanson qu'on écoutera bientôt à Cédic, mais toi, tu en as choisi une autre. Et puis, alors, j'ai trouvé ça sympa, et j'ai écouté leur album, et dans leur album, j'en ai trouvé une encore plus sympa. Qui s'appelle comment ?
qui s'appelle Loukoum et Camembert. Loukoum et Camembert, mais on a bien fait de venir alors. Et qui est tout à fait de circonstance par rapport à l'époque un peu troublée qu'on vit entre les islamistes, le voile, le foulard, le chador et tout. Ouais. Entre les, c'est des communautés qui se déchirent pour des conneries quoi. Alors eux, ils ont fait une belle chanson, je trouve, sur la fraternité. Alors, les escrocs, c'est comme dans les années 60, il y avait les pirates, les vautours, les chats sauvages. Maintenant, il y a les escrocs. Je blague un peu, mais j'écoutais, c'est bien fait. Moi, je préférais Assédic, mais on verra plus tard Assédic. Il a très envie de vous offrir des Loukoum et du Camembert. C'est une chanson que Loukoum et Camembert, j'aurais vraiment aimé l'écrire. Et je vais te dire une chose. Pas ensemble, mais le Loukoum d'un côté, j'adore, et le Camembert, j'adore aussi. Alors on peut écouter la chanson Les Escrocs, première télé, enfin une des toutes premières pour faire plaisir à Renaud et pour vous, j'espère. Oh non, écoutez, j'ai pas envie de jouer, je vous assure. Elle y a pensé. Oh, Cynthia, ma biche. Quick, quick, une comédie de bon goût. Mardi soir, sur France 2. Les aime pas, les autres marionnettes, celle Angelaba, les turbans sur la tête. Elles font des prières, toi t'en as pas besoin, t'as du bon camembert et t'as du bon vin. Pendant que tu cavales, amassant de l'oseille, elles n'ont pour capital qu'un rayon de soleil. Elles grillent des merguez le soir sur le balcon. Toi t'as stick ta R16 et tu planques tes ronds. Donnez-vous la main, Loukoum et Camembert, car vous êtes en chemin vers le même cimetière. Ben Saïd et Durand sont à la même école, des petits figurants dans un grand guignol. Mais toi le Gaulois, le Ducon, la joie, tu les aimes pas ces gens-là. Ils ont d'autres coutumes que celles des gens du Nord, qui font dans le costume et la coute de porc. Dans tes vilaines entrailles, tu sens monter la haine, tu voudrais qu'elles s'en aillent et tu cries vive Le Pen. Qu'ils rentrent chez eux, ces fumeurs de hashish, on reste entre petits vieux au pays des caniches. Donnez-vous la main, Loukoum et Camembert, car vous êtes en chemin vers le même cimetière. Ben Saïd et Durand sont à la même école, des petits figurants dans un grand guignol. Elles font plein de rejetons, toi tu préfères les chiens, tu te dis à quoi bon s'encombrer de gamins. Et pendant que tu t'angoisses sous tranquillisant, la marionnette d'en face, elle fait les enfants. Elle fait des beaux gamins avec les yeux brillants, plus brillants que les tiens, qui crient au droit du sang. Car c'est du pauvre coup que le mariage consanguin, ça fait pas des canons, ça fait des crétins. Donnez-vous la main, Loukoum et Camembert, car vous êtes en chemin vers le même cimetière. Ben Saïd et Durand sont à la même école, des petits figurants dans un grand guignol. C'est un chemin vers le même cimetière. Ben Saïd et Durand sont à la même école, des petits figurants dans un grand guignol. Bien vu. Ah, je m'en viens. Ouais. Bien vu sur et un. Puis, la musique. Ouais. Java comme ça. Ouais, petite Java avec des mots graves pour dire des choses fraternelles comme tu viens de le dire. Dans ce disque où tu es n'as pas quitté l'enfance que j'ai retombé. Alors on entendra demain Mon Amoureux qui est une des chansons que je préfère moi, dans cet album. Une de seules parce qu'il y en a beaucoup que j'aime. Mais ta fille, elle a déjà des fiancés. Ça va pas non.
Ah, bon, j'ai eu peur. Dans l'intérêt, tiens. Ah oui, ça, je m'en doutais. Ça... Mais tu prenais devant. Sinon, je la fous dans une école coranique et que j'adore. Bon, mais mon petit bref, on va t'y faire bientôt. Non, non, elle aime que moi et Clark Gable. Ah, d'accord, bon, ça va. Je suis peinard. Ça va, t'es peinard, oui, d'accord. Il y a une superbe chanson, vous verrez, sur, sur la fille. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, là, ton côté, on a eu le côté nord de Renaud avec Germinal, dont on a beaucoup parlé. Bon, ce film qui a été un très très grand succès, où tu étais magnifique. Mais alors voilà ton côté marseillais maintenant qui ressort, à Belle de Mai. Mais j'ai plein de côtés, moi, je suis universel. Oui, mais enfin là, t'es... De toute façon, ma mère est du nord et mon père est de Montpellier. Oui, donc le sud, c'est aussi un peu une partie de mes racines. Alors on entendra demain la Belle de Mai. C'est une coïncidence, c'est vrai qu'il y a un an, j'ai chanté le nord. Et oui. Là, mon album s'appelle À la Belle de Mai, c'est un quartier de Marseille. Oui. C'est. C'est Renaud du Nord au Sud, quoi. Non, c'est une coïncidence. Bon, je suis tombé sur ce titre, sur ce. Je suis allé à Marseille, j'ai craqué sur cette ville, sur une certaine équipe de football, sur un quartier qui s'appelle La Belle de Mai. J'ai trouvé le titre La Belle de Mai sublime. Oui, c'est un très beau titre. Et bon, ça a été le titre de l'album. Mais l'album n'est pas précisément provençal Marseille. Ou non, marseillais. Non, 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 mais enfin, quand même, j'avais quand même noté ton petit accent après ton côté nord. Je sais que comme moi, tu aimes la vraie chanson populaire. Tu ne me ferais pas l'amitié de venir dans mon émission si tu ne l'aimais pas. Et vraiment, ça me touche beaucoup. Je dis souvent, quand tu n'es pas là, parce que tu rougirais, que tu as mis en musique les mots de la rue d'aujourd'hui. Tu fais chanter la rue comme elle chante aujourd'hui, comme elle parle aujourd'hui, parce que tu les connais bien. Tu es un peu leur porte-parole, leur porte-drapeau. Et puis tu aimes quand la rue chante depuis le début du siècle, et tu connais toutes ces chansons. Tu aimes les grandes chanteuses populaires. C'est pour cela que Régine est avec nous maintenant. Elle chante Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse. On la retrouve après, Régine. Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse de vos roses et de vos orchidées, de vos grandes fleurs qui prennent trop de place, de vos plantes rares enrubannées? Je préfère le muguet ou bien les violettes, les brassées de bleuets avec des pâquerettes. Alors comprenez que tous vos bouquets qui coûtent un prix fou, je m'en fous. Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse de vos restaurants réputés, de vos bars chics, de vos palaces et de tous vos salons de thé? Je préfère les bistrots où ne va pas l'élite, les petits caboulots qui sentent bon la frite. Alors comprenez que tous vos troquets qui coûtent un prix fou, je m'en fous. Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse du maire et de monsieur le curé, du notaire et de ses paperasses, de votre bel anneau doré? Moi, j'ai un amant qui se pose pas de problème, il me dit simplement, c'est fou comme on s'aime. Alors je vous en prie, vos cérémonies qui coûtent un prix fou, je m'en fous. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse de vous voir triste et malheureux, que votre pauvre cœur se glace quand vous nous voyez tous les deux? Je n'aime que lui, je suis amoureuse, le jour et la nuit, il me rend heureuse. Alors excusez, vous pouvez pleurer à en devenir fou, je m'en fous. La 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 la. Régine, je ne présente pas Renaud, vous me connaissez. Il se peut se faire la bise en public. Assieds-toi, belle. Au petit café, ça te rappelle Belleville? Ah bah oui, moi je sortais la terrasse le matin à 5h. Je le regrette. Dis-moi, il y a encore un...
À Belleville, un café qui s'appelle comme ça, est-ce que c'est normal? C'est toujours la lumière de Belleville. Ah, c'est toujours le même? Oui, malgré que la lumière soit partie, c'est-à-dire moi, ça continue à s'appeler la lumière de Belleville. Il y a une chanson, il faudra que tu finisses un jour par l'enregistrer. Hein. Oui, absolument. Elle est sublime, je te l'avais entendu chanter dans ton spectacle au Buff du Nord. Oui, la lumière alors, de Belleville. Renaud nous a fait, tu as vu l'amitié de. D'ailleurs, j'ai le disque pour toi. Il m'a je dit. Trouve les... De toute façon, je suis une fan, alors je le dis publiquement oui. Et depuis très très longtemps. Mais j'avoue que ce disque est formidable. J'ai écouté comme 7 ou 8 des chansons. J'ai trouvé formidable. C'est beau, hein? Merci. Et j'ai beaucoup aimé Les Escrocs. Ah, elle a aimé Les Escrocs, tu vois. Camembert. Oui, c'est vrai. Oui, oui. Moi, c'est j'en voulais pas. Si, 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 c'est pas vrai. Il est menteur. Non, mais c'est extraordinaire. Je préférais la chanson qui s'appelle Acédic, que je trouve très drôle. Mais j'avoue que ton Loco et Camembert n'est pas mal. C'est formidable. Vraiment, il y a une belle fraternité dans la chanson. Je comprends que Renaud ait dit qu'il aurait aimé l'écrire, parce qu'elle est vraiment formidable. Alors toi, d'un seul coup, sans qu'on s'y attende, depuis 4 jours, tu chantes à Montparnasse, dans ce petit quartier qu'il aime tant, la rue de la Gaîté de son enfance, à la Gaîté Montparnasse, Régine, depuis le 17, ça marche très fort et ça continue. Oui, mais moi aussi, c'est un peu mon quartier, hein, Montparnasse, eh oui, j'y suis resté longtemps, je l'ai même chanté. Alors, mais... c'est cette envie de parce que j'ai eu à peine le temps de on me dit, Régine oui, chante à Paris depuis 4 jours. Oui, c'est vrai. Ça, la décision a été prise en quelques jours. Le besoin de retrouver la scène Le besoin de retrouver la scène, le spleen, le vide, l'ennui, voilà. Et maintenant, je suis heureuse. Et ça se voit. Tu es à la Gaîté Montparnasse, rue de la Gaîté. Rue de la Gaîté. Jusqu'à un petit moment encore. Ah oui, jusqu'au 14 décembre. Ah, vous avez le temps d'aller voir le spectacle, est magnifique. Je lui disais, évidemment... Mais si j'ai mon avis, je balance quelquefois, on le sait bien. Mais si j'invite Régine, c'est qu'on, et je le lui ai dit, c'est qu'elle a vraiment un répertoire magnifique depuis le début. Tu n'as jamais chanté n'importe quoi. C'est peut-être pour ça que ça dure si longtemps. Non, j'ai jamais eu envie de chanter n'importe quoi. Non, mais on peut se tromper parfois de chansons, mais tu ne t'es pas tellement trompé. Tu as eu des auteurs aussi, il faut dire. J'ai vraiment bien choisi mes auteurs et ils ont eu la gentillesse de me suivre et je les en remercie. Et je crois que quand on a des bons auteurs, on peut chanter jusqu'à la fin de sa vie ces chansons-là. Eh ben, c'est pas, il y a rien d'urgent. Hein. Non, surtout quand on a une belle, quand on a une belle voix. Ouais. Il y a un timbre de voix. Il faut en parler de temps en temps, Régine. Je m'excuse. Non, c'est vrai là. Moi j'adore la voix de Régine aussi. Eh ben, dis donc, mon garçon, comme tu n'es pas timide du tout, que tu n'as pas le trac du tout, comme vous avez remarqué, Renaud n'a jamais le trac, tu vas aller chanter devant Régine maintenant, le petit bal du samedi soir, comme à tes débuts à Bobino. Oui, comme... Mais alors, avec de l'indulgence, parce que ça fait longtemps que j'ai pas chanté. Je te prête mes musiciens, vas-y. D'accord. Renaud, cadeau pour nous, pour Régine, en direct, avec les musiciens de la chance aux chansons, ce petit bal du samedi soir qui doit tant à Jean Dréjean. Dans le vieux faubourg, tout chargé d'amour, près du pont de la Villette, un soir je flânais, un refrain traîné, un air de valse musette, comme un vieux copain me prenant la main, il m'a dit viens. Pourquoi le cacher? Ma foi, j'ai marché et j'ai trouvé le petit bal du samedi soir où le cœur plein d'espoir danse les midinettes. Pas de frais pour la toilette, pour ça vous avez le bonsoir. Mais du bonheur plein les yeux de tous les amoureux, ça m'a touché, c'est bête. Je suis entré dans la fête, l'air tiquait le cœur joyeux. D'ailleurs, il ne manquait rien, il y avait tout ce qui convient, des moules et du vin rouge. Au troisième flacon, ça bouge, au quatrième, on est bien. Alors il vaut mieux s'asseoir, le patron vient vous voir et vous dit c'est la mienne. Et c'est comme ça toutes les semaines, au petit bal du samedi soir. Vous l'avez deviné, j'y suis retourné, maintenant je connais tout le monde. Victor et Titi, Fernand le tout petit, Nénès et Mimi la blonde. D'ailleurs des beaux yeux, y en a tant qu'on veut, ils vont par deux. Les blagues dans les coins, on est aussi bien qu'au tabarin. Au petit bal du samedi soir, où le cœur plein d'espoir danse les midinettes. Pas le frais pour la toilette, pour ça vous avez le bonsoir. Et du bonheur des aveux, car tous les amoureux se montent un peu la tête. Quand l'accordéon s'arrête, ils vont s'asseoir deux par deux. De temps en temps un garçon pousse une petite chanson, ça fait rêver les filles. Dans le noir et les yeux qui brillent, on dirait des petits lampions. Oui, des lampions merveilleux, du carnaval joyeux, d'une fête éternelle. On serre un peu plus sa belle, au petit bal du samedi soir. Un dimanche matin, avec Baptistin, c'est le patron de la guinguette. On s'est attablé et nous avons joué au chemin de fer en tête à tête. Comme il perdait trop, il a joué le bistrot, j'ai dit banco. J'ai gagné ma foi et depuis 3 mois, il est à moi. Le petit bal du samedi soir, où le cœur plein d'espoir, danse les midinettes. Pas de frais pour la toilette,
pour ça vous avez le bonsoir. Mais du bonheur plein les yeux de tous les amoureux, vous pensez si c'est chouette, tout le monde perd un peu la tête, ça fait tout et pour le mieux. Baptistin dans l'occasion n'avait plus de situation en perdant sa boutique, mais comme il m'est sympathique, alors je l'ai pris comme garçon. Et c'est lui qui sert à boire aux amoureux dans le noir, dans la baraque en planche, du samedi jusqu'au dimanche, au petit bal du samedi soir.